tu sei piccolo, pantaloncini, no? Grazie, tutto proporzionale. Insomma, qui c'è per tutti il... Sì, sì, c'è per tutti. Bene, ragazzi. Le culte de la minceur, de la jeunesse et de la santé fait proliférer les remèdes miracles et autres potions magiques. Et nous sommes encore trop nombreux à nous laisser piéger. Alors comment nous protéger pour ne pas être victimes d'arnaques qui parfois peuvent être dangereuses pour notre santé? Alors j'ai commandé un produit qui était soi-disant miracle, à base de plantes pour faire maigrir, qui coûtait relativement cher, qui m'a rendue malade. J'ai eu des vertiges, des nausées. Aucun effet réel de ces produits n'est démontré par les autorités médicales. Et parfois, ils peuvent être dangereux. Si une action en justice est possible, elle ne règle pas tout. La difficulté dans ces affaires, c'est que les sanctions arrivent tard et ne sont pas suffisamment dissuasives la plupart du temps. Alors les sociétés recommencent, les dirigeants ne sont pas assez punis. Et maintenant, il faut insister pour qu'on ait des sanctions dissuasives, pour qu'on ait une information des consommateurs sur les jugements qui sont prononcés, de manière à ce que ces pratiques cessent. Des mentions du type « produit au pouvoir inouï » ou « méthode antidouleur au succès immédiat et définitif » relèvent manifestement de l'arnaque. Le consommateur doit également se méfier lorsque les entreprises ont des coordonnées incomplètes, lorsqu'elles sont injoignables ou lorsque les méthodes de vente sont trop agressives. Et puis surtout, ne signez pas sans réfléchir aux offres satisfaites ou remboursées. Très souvent, ce sont de véritables pièges pour le consommateur et la note sera d'autant plus lourde que le prix de ces arnaques est souvent exorbitant. Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas maigrir sans faire d'efforts, ni rester en bonne santé en mangeant n'importe quoi. Seul un médecin peut prescrire ce qui vous convient. Je vous rappelle l'adresse de Famille de France, 28 Place Saint-Georges, 75 009 Paris. À bientôt. Voilà, vos billets sont prêts. L'avion? Côté Hublot. Le train? Non-fumeur. Le bateau? Avec une mer sans vagues, bien sûr, mais avec toutes les garanties. L'agence de voyage, ça ne change pas le prix et ça change la vie. Tu sais, pour 99 francs, t'as 50 minutes de communication, une nouvelle carte SIM, pas d'engagement, 4 mois de forfait gratuit pendant un an. Tiens, regarde, parce que là-bas, il y a une crêpe au fromage qui t'appelle. Le nouveau kit pour ouvrir votre ligne vient de sortir en vente partout chez votre marchand de journaux et dans votre espace SFR. Qui vous offre des heures supplémentaires quand vous en avez besoin? Club Internet crée le report automatique des minutes. Un des services de Full is Beautiful, le forfait qui rend tous les services. Pour en bénéficier, profitez des 6 premiers mois à moitié prix. Full is Beautiful de Club Internet. Lupin. Alors ce matin, tu t'occupes pas des pigeons. Non, brigadier. Les autres? Les à toi. Ah, les vieux, la vie est une sacrée fête. La vie est une sacrée fête, oncle Benoît. Notre vie ne me paraît pas idéale pour nos enfants. Bah, toute ma vie, moi, j'ai appris sur le temps. Mais on va tous finir idiots. Il serait temps qu'ils aillent à l'école pour de bon. Jamais. Jamais? Ah ben, moi non plus, jamais. Tu ne ressembles plus à l'homme que j'ai épousé. Faut que je parte, hein, pour qu'ils comprennent. On travaille, nom de Dieu! À l'école, nom de Dieu! Qui, du père ou de la mère, aura le dernier mot? La canne de mon père, ce soir à 20h55 sur France 3. Tout le sport sur France 3 avec Total Fuel Premier, chauffage au fuel. Il avait inspiré Luc Besson pour son Grand Bleu. Jacques Mayol, plongeur mythique, est mort à l'âge de 74 ans. Il s'est pendu à son domicile sur l'île d'Elbe. Jacques Mayol, premier homme à être descendu à 105 mètres de profondeur en apnée. C'était en 1983.
Bonsoir à tous. Tout le monde en parle, en bien ou en mal. Nicolas Anelka s'en moque. Il s'est installé à Liverpool, en Angleterre, jusqu'à la fin de la saison. Voici donc, dédié à Anelka, les toutes premières réactions sur ce transfert. De Trappe, sa cité natale, à Liverpool. Propos recueillis ce matin par Nicolas Vinoy et Laurent Jaoui. Nicolas Anelka, parti de Paris, s'offre un Noël à Liverpool. Et au passage, quelques commentaires. Ce matin à Trappe, sa ville d'origine, l'attaquant fait encore parler de lui. Voilà, regarde. Regarde Anelka. Ouais. Regarde celui-là, tiens, Anelka, c'est moi qui le servais ici. C'est pour ça qu'il est devenu champion. La volaille, il la prenait ici avant. C'est bon en plus. Tu le sais ? Voilà, donc maintenant il est champion. Grâce à moi. Il est pas mal, mais bon, il pourrait faire mieux. C'est peut-être les entraîneurs qui vont pas. Peut-être l'entraîner, il a qu'à venir travailler chez nous, on va l'entraîner. Exactement. Oui, mais voilà, Nicolas Anelka s'est encore envolé. Retour en Angleterre après Madrid et Paris. Nicolas Anelka ne tombe jamais dans l'oubli. Je sais pas, ça dépend de son état d'esprit, de son humeur. S'il revient avec la même mentalité qu'à Arsenal, alors il n'y aura pas de problème pour nous. Je crois qu'il doit réaliser qu'il s'agit là de sa dernière chance, sa dernière vraie chance de faire un retour fracassant et de montrer quel superbe joueur il est. Le Français est donc attendu en Angleterre avec l'obligation de briller pour qu'en juin prochain, au Mondial, Roger Lemaire pense toujours à lui. Anelka qui ne jouait pas cet après-midi et Liverpool, son nouveau club, a perdu à domicile, battu 2-1 par Arsenal, son ancien club. Thierry Henry a marqué le premier but. Les malheurs continuent pour Ronaldo, sorti sur blessure, une contracture, alors que son club, l'Inter Milan, gagnait à Piacenza 3-2, l'Inter qui est toujours en tête du Calcio. C'est la trêve de Noël pour les footballeurs français sur fond de neige et de gel. Beaucoup d'ailleurs sont partis prématurément en vacances, heureux comme des Lensois et ensevelis comme des Lillois. Richard Coffin. De la neige et des stades au visage blanc. Conséquence, 4 terrains impraticables hier, celui de Lille notamment. Pas de match entre le LOSC et Bordeaux, à la place l'indémodable bataille de boules de neige. On s'occupe comme on peut en attendant les vœux. Du froid, mais le dégel à Nantes, face à 3, Viorel Moldovan inscrit un superbe but. Les Canaries quittent la dernière place du classement. À la Beaujoire, Reynald Denwex respire, mais il sera fixé sur son avenir le 28 décembre, date de la reprise du FC Nantes Atlantique. Forcément que c'est pas sur un match, sur un but que ça va se décider. C'est ce que je pense, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère. Sans préjuger en rien par rapport à des décisions futures, forcément. Le cadeau de Noël de Monaco s'appelle Souleymane Camara. Face à Rennes, le jeune international sénégalais s'illustre. Un joli but de la tête avant d'offrir une passe décisive à Chabalin Honda. Monaco l'emporte finalement 3-1 devant les Bretons. Parmi les autres résultats, notez la victoire à l'extérieur de Sedan. Grâce à un doublé d'Henri Camara, les Ardennais s'imposent 2-1 devant Guingamp. Metz-Montpellier, Lyon-Bastia, Auxerre-Lorient et Lille-Bordeaux ont été reportés en raison des conditions météo. Au classement, le leader Lens possède 8 points d'avance sur Lyon et Auxerre qui comptent un match en retard. Dans le bas du tableau, Nantes gagne une place aux dépens de Lorient, mais les Bretons ont un match en retard. Et cadeau de Noël pour les Sedanais, une journée de repos supplémentaire accordée par leur entraîneur pour leur premier succès à l'extérieur hier à Guingamp. En D2, là encore, 4 matchs reportés. Beauvais en profite pour remonter à la 2e place derrière Strasbourg. Bon point d'Ajaccio avec un Courbis impayable, vous allez le voir. Et Festival Grenoblois, Antoine Chusville. Quand Ajaccio est une équipe normande dominatrice devant 10 000 spectateurs. Mais si Garcion donne l'avantage à Caen à la 55e minute, son équipe manque ensuite plusieurs occasions. 91e minute, action désespérée, les joueurs de Roland Courbis égalisent finalement sur le fil. Attention, ne leur parlez surtout pas de hold-up. Nous nous excusons d'avoir fait match nul à Caen en ayant égalisé à la fin. Peut-être qu'on va voir si on ne peut pas des fois porter réclamation pour que le but soit annulé et donc à ce moment-là, on se retrouverait dans une physionomie de match un petit peu plus normale. Ça vous convient ? Oui, oui. En tout cas, ce résultat nul fait le bonheur de Beauvais. Vainqueur hier soir de Martigues avec un but de Gueye dès la 9e minute. Beuzelin inscrit un second but 20 minutes plus tard. 2-0, score final, Beauvais a dominé son sujet. L'équipe de Jackie Bonnevet remonte donc à la 2e place du classement. Une 21e journée marquée par le carton de Grenoble face à Amiens, 4-0, et la nette victoire de Nice en déplacement à Nîmes. 4 matchs ont été reportés, dont celui du leader Strasbourg. Prochaine journée, les 4 et 5 janvier prochains.
En basket, Pau Orthez finit l'année en tête du classement grâce à sa victoire devant Limoges 81-63. Villeurbanne et Gravelines s'ajoutent à Pau pour composer le trio de tête. Et puis regardez au Madison Square Garden de New York hier soir ce panier décisif de la star Michael Jordan à 3 secondes de la fin du match. Washington contre les Knights. 83 partout, dribble et shoot immédiat. La victoire de Washington à la fin grâce à Michael. Boxe, un champion du monde à Orléans. Bruno Girard terrasse le pauvre Robert Kuhn, pourtant appelé le killer, cherchez l'erreur. Fabrice Thiozo et Ibrahim Asloum étaient eux aussi à la fête. Erwan Lemoine. Deux titres mondiaux dans deux catégories différentes. Bruno Girard a rejoint hier Christophe Thiozo dans l'histoire française de la boxe. Mais la ceinture mondiale des mi-lourds conquise hier face à Robert Kuhn semble peser moins pour lui que son premier titre WBA remporté en super moyen. La première fois, c'était un rêve. Hein. Jamais j'aurais imaginé être champion du monde. C'est l'apothéose, j'ai fait champion de France, champion d'Europe, champion du monde. J'ai déjà connu ça et... Je peux pas dire. La première fois, c'est mieux, quoi. Bruno Girard est peut-être un peu déçu. Déçu d'avoir connu un combat facile remporté par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise. Déçu d'avoir rencontré pour le titre vacant Robert Kuhn, numéro 6 au classement WBA, remplaçant au pied levé de Lou Delval. Forfait de dernière minute et nouveau challenger officiel du champion du monde français. Redevenir challenger officiel, ça plairait bien à Fabrice Thiozo. On l'avait quitté il y a un an sur une défaite expéditive contre Virgil Hill en 2 minutes 59. On l'a retrouvé hier sur une victoire par KO contre l'Américain Tywon Taylor en 8 minutes et 5 secondes. J'ai un an de plus, j'ai plus de titre, j'ai cette envie de regagner, de reprendre un titre. Et ben ça fait un drôle de truc dans le ventre. Hein. Et si on peut pas l'expliquer, ben ça fait un drôle de truc. Brahim Asloum, lui, ne connaît que cette sensation. Sixième victoire en autant de combats chez les pros hier. Le champion olympique a battu au point un ancien champion du monde, Rodolfo Blanco. En bref, David Douillet cède sa place de personnalité préférée des Français à l'Abbé Pierre. Sondage IFOP Journal du Dimanche de ce matin. Zidane est quatrième, il perd une place lui aussi. À l'opposé de ses vedettes médiatiques... Pas facile d'être un skieur sénégalais, c'est loin l'Amérique et les Jeux Olympiques. Lamine s'entraîne aux Ors dans les Hautes-Alpes, un peu amer, David Malarme. De la brousse sénégalaise aux montagnes enneigées des Alpes, le long voyage d'un drôle de bonhomme. Nous avons au départ de Sarsantois, Lamine Gueye du Sénégal. En piste, Lamine Gueye sénégalais. En 1980, il crée la Fédération sénégalaise de ski dont il est l'unique représentant. Loin des stars du cirque blanc, Lamine dévale les pentes de la petite station des Ors dans les Alpes. Son seul objectif, Salt Lake City. Je pense qu'actuellement, il y a un gros problème. Le Comité olympique international et la Fédération internationale de ski veulent rejeter les petites nations des Jeux olympiques. Sarajevo, Albertville, Lillehammer. Lamine a déjà participé à 3 Jeux olympiques d'hiver. Mais cette fois, il sonne la révolte. Trop de petites nations sacrifiées au nom du sport spectacle. Lamine en appelle à l'esprit du baron de Coubertin. Je comprends qu'ils soient dans le business maintenant, ok c'est clair, mais ils peuvent toujours faire du business en essayant de respecter l'esprit des jeux. Le baron Pierre de Coubertin a créé ces jeux en déclarant « l'important c'est de participer ». Venez, faites de votre mieux, honorez votre drapeau. Aujourd'hui, Lamine Gueye, dossard numéro 103, n'est qu'à une misérable seconde de la qualification. Le skieur sénégalais garde la foi, celle de voir les montagnes de Salt Lake City. Avant de retrouver son Sénégal. Voilà, demain, tout le sport et Foot 3 à 20h20. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël sans modération. A très bientôt. Au revoir. C'était tout le sport sur France 3 avec Total Fuel Premier, chauffage au fuel. Les Dalton font la fête, il faut s'attendre à des cadeaux pétaradants. Les nouvelles aventures de Lucky Luke, tout de suite sur France 3. Jean Cabiadi. Jean Cabiadi. Jean Cabiadi, bon appétit. Jean Cabi, bon appétit.
produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. Faire avancer le monde sans faire reculer l'homme, cela s'appelle le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Top, je suis une émission de divertissement. On va faire une émission de variété, le grand casting ce soir, ça va hein? Avec un plateau formidable. Ça rend tout le monde heureux, quoi, au fond. Ça va être génial. Dans Pique-Nique, il y a Casting, c'est une émission qui fait... On prend celui-là. Casting. Autrefois, on passait son bac. Casting. Aujourd'hui, on passe... Le grand casting. Action. Présenté par Dev, c'est le grand casting. Que ne ferait-on pas pour devenir riche et célèbre à 22h55 après soir 3. Sur France 3, vivez les nouvelles aventures de Lucky Luke avec les magasins. Jouer Club. Et Jouer Club Express, vente de jouets par correspondance.